Cette série est à regarder en plein écran, c'est préférable, et dans l'ordre, ça c'est indispensable. Tous les épisodes sont dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve donc tous en mars au Yurt Film Festival de Bergerac. Oui, parce que c'est le plus grand festival de films de yurt au monde en Nouvelle-Aquitaine, et ça c'est génial. On a hâte de tous vous retrouver, et en plus pour la projo de Boucherie Éthique, et bah c'est Bast qui va pédaler pour alimenter le vidéo proche en électricité. Ouais, donc on continue de se battre pour réduire notre consommation de viande pour le bien-être animal. Super convaincant, les gars. Contre le réchauffement climatique, mais aussi pour réduire les cancers des reins, colorectaux, les crises cardiaques, tout ce genre de maladies, le cholestérol aussi, donc manger moins de viande. On se retrouve au festival où on construira nous-mêmes nos yourtes en récupérant des matériaux dans les décharges environnantes avec l'aide de Cyprien qui sera là. Oui, je serai là pour les yourtes par Skype et je suis très fier de vous accompagner là dans ce combat. Pour la planète, on peut y arriver tous ensemble. On va y arriver. Ensemble, on ne fait qu'un. On va se prendre les mains. Au revoir, madame. Bonne journée. Voilà. Hey. Oh, bah salut. C'est marrant. C'est un petit boulot temporaire, hein. Mais là, avec la rentrée, je sens qu'il y a des trucs qui vont se débloquer, ça va être très très sympa. Puis en plus, c'est un bon moyen de faire des connexions ici. Parce qu'ici, il y a des chroniqueurs de Cyril Hanouna qui viennent souvent faire les courses. Ah ouais, stylé. Ouais. Bon bah du coup, plus besoin de me répondre par texto, tu peux me répondre directement. Écoute, nous en ce moment on est pas mal occupés, on n'a pas trop le temps de... Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est des Golden? Et toi, tu nous as mis quoi ici, là? Granny. Eh bah ouais, forcément, hein. 1,31€ le kilo, bah tu m'étonnes, la belle économie. Non. Je fais quoi? J'appelle la sécu? Sécu? En fait, c'est juste que je me suis trompé de bouton sur le... Je déconne, je te les passe en scred. Ok. Merci. Bon alors, quand est-ce qu'on travaille ensemble? Non, mais tu sais, comme je t'ai dit, nous, les featuring, on fait pas trop, en fait. Non, c'est vrai que t'as rien tenté avec Marion, Seb, Audrey, le monde à l'envers. Oh merde. Eh ouais, mon gars. Tu crois que ça marche comment, le business? Au réseau, mon frère. Moi, j'ai un réseau. Donc ouais, j'ai des petites oreilles qui traînent un peu partout. Tu sais que ça, t'as deux achetés en offert? Non, merci. Je connais tout le monde, moi, tu sais. Bah ouais, j'ai bossé chez Golden, donc en convention, je vais voir les potos et tout. Et toi, je sais pas pourquoi, tu considères que sous prétexte que j'ai pas énormément d'abonnés sur ma chaîne perso, je pèse pas vraiment. T'as la carte du magasin? Ouais, j'ai la mini-carte sur le porte-clés. Tu veux profiter de tes 10% aujourd'hui? Non, j'attends les grosses courses du week-end. Mais en vrai, tu sais pas les ficelles que je peux tirer. Ok, ce soir, chez ma tante, apéro. En plus, elle est pas là. J'invite du gros youtubeur, des gens bien fat, on se fait un truc vraiment cool. T'en dis quoi? Ok. Cool. Ça nous fera 24,35€. Oui. Ouais, allô? Ouais, gars, c'est moi, t'as reçu le message de Pauline? Ouais, je comptais y aller, là. T'as une mousse? 11h, je pense qu'il dort. T'y es dans combien de temps? Je suis en trottinette, là, je pense un petit quart d'heure. Ah ouais, c'est vrai, c'est mignon. Ta gueule. On va chez Mousse?
dans ce groupe de filles. J'arrive pas à m'imposer. Tu vois, c'est des comédiennes, des réalisatrices, des auteurs. Elles prennent beaucoup de place. Du coup, moi, j'ai dit oui à tout. Puis au final, pendant les tournages, bah, j'ai passé plus de temps à faire le repas du midi qu'à jouer dans les vidéos. Ok. J'ai un truc pour toi. C'est quoi? Passe-moi ton téléphone. C'est une application qui s'appelle Self Confidence. Je vais te l'installer. Et à différents moments de la journée, de façon aléatoire, tu vas entendre ce son. Self Confidence. Quand tu l'entends, il faut que tu suives ton instinct, que tu dises ce que tu as sur le cœur au moment présent et que tu fasses ce dont tu ressens l'envie la plus profonde. Et ça marche? Super. Moi, j'ai dû arrêter parce que je me masturbais beaucoup trop, mais... Ah. Bon, les gars, j'ai une idée. Tu veux dire que c'est ton idée ou tu pensais l'inverse il y a 24 heures, quelqu'un t'a convaincu, tu nous fais croire que t'as changé d'avis? Tu vois? C'est vachement bien. Bref, j'ai croisé Lucien Mène. Celui qui faisait pas assez de vues pour qu'on bosse avec lui? Ah, c'est génial de dire ce qu'on pense. Ouais, c'est génial, mais du coup ton truc est aussi super relou, donc est-ce que tu pourrais le couper 10 minutes? Bah, je le mets en silencieux. Merci. En fait, non. Ah, vous êtes là? Oui, mec, on n'a pas arrêté de t'envoyer des messages. Ouais, mais j'ai pas de batterie. Mais t'es chez toi. Comment est-ce que tu fais pour ne pas avoir de batterie? Regarde, c'est très simple. Ça, c'est mon chargeur. Ça, c'est mon téléphone. Si je le branche pas, eh ben j'ai pas de batterie. Ok, bon, tout le monde, hein, on a rendez-vous à 18h chez Lucien Mène. Il va nous présenter des potes. Pourquoi tu changes d'avis sur Lucien Mène et pas sur McFly et Carlito? Je change d'avis sur personne, je réfléchis, Johan, c'est tout, ok? Alors, je t'invite à réfléchir à McFly et Carlito. T'es jaloux? Pas McFly et Carlito, ok? Je déteste McFly et Carlito. Je les méprise. Je les méprise professionnellement et humainement, d'accord? Donc je préfère que Yes crève de sa belle mort plutôt que de me taper un featuring avec ces deux connards qui se marrent comme des baleines dès qu'ils appellent quelqu'un au téléphone au hasard et leur font croire que c'est un canular. Alors tout le monde, 18h chez Lucien Mène. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Mon mousse, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Amandine? Johan? T'as quitté Daesh? Oh, putain. Tu veux faire la gueule toute la live? Sérieux? J'ai deux ex, Rosa et Amandine, c'est pas compliqué. Mais elle, je pouvais pas savoir que c'était ton ex. Bah, elle s'appelait Amandine, quand même. Écoute, honnêtement, ce matin, je savais même plus comment elle s'appelait. Vous êtes en retard? 18h02, donc en retard. T'es relou, on est presque à l'heure et toi, tu nous fais... Presque, Mustapha. Tu connais le point commun entre tous les gens qui ont presque réussi dans la vie? Bah, c'est qu'ils ont tous raté. Choisis ton camp. Connard. Ah bah, c'est ce que j'allais dire. Hey, salut les gars, ça va? Hey, ça va et toi? Super. Désolé pour le retard, hein. Oh, mais c'est pas grave, t'inquiète, on était posé, tranquille, on parlait business, YouTube game, influence, follower. Cool. On peut rentrer? Oui, bien sûr, bien sûr. Par là. Allez, bienvenue. Bonjour. Faites comme chez vous, hein, les gars. Bonjour. C'est... Pardon, c'est qui? Bah, c'est le Turfu. C'est la relève. La relève de quoi? Ils sont pas connus? Bah, rassure-toi, t'es pas connu non plus, donc Bon, Albi! Qui ça? Bah, c'est Albi, le drôle de pirate! Coucou, oui, c'est Pierre. Moi, je suis Camille, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Glamouz. Top. Mais j'ai aussi une chaîne perso, en fait, Camille tout seul, où je casse des tables et... Moi, j'ai deux chaînes YouTube, dont une que je peux pas utiliser, sinon mon ancien collaborateur m'attaque en justice. Oh, Lucien, excuse-moi, mais c'est quoi ce bordel-là? Tu m'avais dit des gens connus, mais eux-mêmes cumulés, ils ont moins d'abonnés que nous, là. Oui, mais ils sont super, c'est la relève. Les gens, ils veulent voir des nouvelles têtes. Si tu prends que des youtubeurs confirmés, ils ont des égos, ils veulent changer les textes, les montages. Alors que eux, eux, ils sont top. Ils sont talentueux. Ils sont cool. Tu vois, si tu veux faire du contenu de qualité, c'est sur eux qu'il faut miser. Mais je m'en fous de faire des trucs bien. Je veux faire des trucs qui marchent, d'accord? J'ai 3 jours pour trouver 250 000 abonnés, putain. Hé hey.
C'est pas important le nombre d'abonnés, hein. C'est pas important d'en avoir plein d'abonnés. Moi, je suis ravi d'en avoir 12 000 parce que ce sont tous mes amis. Voilà. Si on t'écoutait, avec Allison, on aurait arrêté depuis longtemps. Tu vas arrêter, en fait. Hein, tu le sais peut-être pas encore, mais tu vas arrêter. Là, t'as encore la passion de faire des trucs vus par 3 personnes parce que tu dis que tu le fais pour la beauté de l'art, mais je te garantis que dans 1 an ou 2, tu vas t'épuiser, tu vas t'arrêter. Eh, hey, mais il parle mal, lui. Ouais. Tu parles mal, Bertrand. Pardon ? Pardon. Ah bon ? Pardon, aussi. Bon. Dans Yes, vous aime, il y a vous aime. Ok, bon, les gars, je suis désolé, hein. C'est pas contre vous. C'est juste qu'on n'a pas le temps de jouer avec des plus petits que nous. En fait, tu te comportes exactement comme les gens que tu critiques. C'est-à-dire ? Bah, tu chiales là parce que les gros youtubeurs, ils ont pas envie de jouer dans tes vidéos parce que t'es tout petit. Et toi, tu reproduis exactement le même schéma. Tu vois pas le paradoxe ? Le vrai paradoxe, c'est que je suis en train de me prendre des leçons de vie d'une chaîne minable de 14 abonnés. Camille, on va boire des cafés ? Ouais. Ok. Excuse-moi. Par contre, en vrai, j'ai plus trop de thunes, tu peux m'avancer les cafés ? Ah ouais, mais t'inquiète, tu sais, je m'en doutais quand j'ai vu tes fringues. Ah, cool. Tu l'as tellement mérité. My heart is in the field, the seeds that you have grown. I'm turning into green, my chlorophyll is love.